problème avec la justice, mais il y a de ça bien longtemps. Tout cela est fort loin maintenant. Et c'est vrai que deux fois, il a réussi à rebondir. Donc, c'est une question d'expérience. Et c'est vrai que l'âge, pour lui, ne compte pas. Et quand on voit le physique qu'il possède aujourd'hui, eh bien, on en est convaincu. Voilà. Et si Kaman, lui, est convaincu de sa victoire aujourd'hui, d'abord, c'est parce que la distance est plus longue. Enfin, plus longue. En boxe thaï, on ne va jamais très, très, très loin. C'est tellement dur. C'est 5 reprises, donc, de 3 minutes, avec 1 minute 30 de repos à chaque fois. Et il... Alors qu'à Bercy, ils s'étaient rencontrés, c'était en 3 reprises seulement. Donc ils pensent pouvoir travailler un petit peu plus longtemps. Mais Petritis, quand on sait qu'il a fait 10 rounds contre Iron Barclay en boxe anglaise, on ne pense pas non plus qu'il aura beaucoup de soucis. Et à contrario de Kaman, Charles, je penserais plutôt que c'est un désavantage pour lui, la distance longue, car à Bercy, il avait gagné, mais très très juste, effectivement. Ok. L'arbitre Sam Berendou, un ancien boxeur aussi. Ah, ça va être un combat très très excitant. Attention, ces deux hommes pèsent tous les deux plus de 87 kilos. Ils peuvent frapper avec tout, je dirais. C'est explosif. Ça va. Pas avec les coudes dans ces règles-là. Et regardez, attaque immédiate de l'Australien. Donc culotte jaune, Kaman, culotte bleue. Et tout de suite, il veut imposer sa jeunesse, sa fougue et la bagarre. Il est certain que les atouts techniques de Petritis, c'est la vitesse et surtout la coordination pied-point. Il a une facilité, une fluidité dans ses enchaînements que ne possède pas Kaman. Par contre, lui, Hollandais, c'est la puissance. Ah, visiblement, l'Australien va vouloir imposer un rythme beaucoup plus soutenu, au moins dans les premières minutes. Et Kaman doit travailler au pied, parce qu'au point, vous voyez qu'il a été touché d'entrée. Il ne faut pas s'attendre non plus à beaucoup de corps à corps, car ce ne sont pas des férus du travail comme ça, très rapprochés. Il préfère plutôt se battre à distance et mi-distance. L'arcade de Tosca Petritis droite, l'arcade droite est touchée, Charles. Oui, oui, premier contact qui était, je crois, un contact de tête, l'arcade droite ouverte. Et Kaman ne réussit pas à être à distance car l'Australien vient tout de suite sur lui. Et là, on peut travailler avec les genoux. Oui, mais ce ne sont pas vraiment des amoureux de ce travail-là. Ils préfèrent donc les poings, les pieds. Et dès qu'un combattant touche les cordes lors d'un corps à corps, eh bien l'arbitre doit les séparer. Ah, il a du mal, Kaman a du mal à arrêter avec son direct du gauche, Petritis, mais quel beau coup de pied il vient de donner. Et l'Australien l'a accusé. Méfiez-vous, dans la boxe pied-point, un coup de pied fait souvent beaucoup plus de dégâts qu'un coup de poing. Surtout que les low kicks de Kaman sont vraiment destructeurs. Toute la frappe avec le tibia. Ouh, il ne sera pas compté. Mais le travail sur les jambes de l'Australien a failli payer déjà. Ouais, c'est bien ce que vient de faire l'Australien avec un enchaînement genou direct puis crochet. Il ne veut pas laisser la possibilité à Kaman d'exploiter la distance, donc là les low kicks font très mal. Et voilà, c'est avec ces coups de pied là que Kaman amorcera une décision. Ouh, il a suivi, il a fait effectivement beaucoup de dégâts dans la cuisse droite de l'Australien. Voilà, et fin d'une première reprise violente comme on pouvait le penser. Où les coups de pied de Kaman ont fait beaucoup plus de dégâts qu'on peut le penser. On va peut-être d'ailleurs en entendre parler. Je hakken zwaar goed, hij voelt zelf natuurlijk wel een beetje poep.
Maar hij blijft wel deels terugkrappen, Rob. Kom op nou. Second round. Geen risico's nemen. Cool, kordaat knokken, maar volgen met je benen. Ja? Hey. Hey. On a entendu un petit peu parler dans les deux coins. Surtout dans le coin néerlandais. Alors la minute de repos, en fait, elle est de 90 secondes. Et vous voyez sur ces images de la loupe, comme les contacts peuvent être... L'important était de soigner aussi la blessure de Tosca Pedritis, même si c'est seulement sur 5 reprises. On a vu Fabrice Thiozzo, formidable Thiozzo, c'était la semaine dernière, faire 12 rounds d'un championnat du monde avec une blessure. Oui, il part immédiatement à l'attaque avec ses directs et deux mains et il touche l'Australien. Jambes, c'est logique, ça peut marcher en boxe thaïlandaise et c'est réglementaire. En tous les cas, même schéma tactique, raccourcir la distance avec Kaman pour pouvoir placer les points et l'empêcher de se servir de ses low kicks. Alors attention car bien sûr Tosca Pedritis s'expose au contre du Hollandais. Ouais, il s'expose surtout aux coups de pied. C'est les coups de pied dans les jambes qui feront gagner Kaman. Et s'il n'arrive pas à en placer autant qu'il le souhaite, il aura du mal face à la puissance et face à la jeunesse de cet Australien qui avait débuté par le karaté et qui finira peut-être par un titre mondial en boxe anglaise qui serait absolument extraordinaire. Il va d'abord falloir passer l'écueil de Kaman en boxe thaïlandaise aujourd'hui. Série de coups de genoux qui va être interrompu, voilà, car il y a tenu des cordes par l'Australien. Oh, kick. Formidable coup de pied haut donc de Kaman. Et tout de suite la remise par Pedritis. On voit là sur ce plan de caméra la cuisse droite de Pedritis, vraiment vraiment touchée, complètement bleuie déjà. Voilà, mais c'est en série des deux mains que l'Australien cherche à prendre sa chance avec un petit balayage. Et les coups de pied de Kaman, c'est quelque chose parce que Edith Mulders, qui est dans la salle, qui sera peut-être le challenger, prochain challenger de Fabrice Thiozzo, a beaucoup entraîné Robbie Kaman et il nous disait que quand Kaman donnait des coups de pied, c'était quelque chose d'épouvantable. C'est une des raisons pour laquelle il se tourne vers la boxe anglaise, c'est qu'il veut plus s'entraîner au pied avec Kaman. Et voilà, regardez ce coup de pied, voilà. Regardez, il a quasiment cassé en deux l'Australien, qui n'aura peut-être plus ses appuis très bientôt. Robbie Kaman, connu de tous les combattants et pratiquants du monde entier, justement pour ses coups de pied qui ont fait école. Ils ont déjà laissé beaucoup de force tous les deux dans cet affrontement. Oui, front kick qui a touché Pedritis. Voilà, et quelle reprise encore féroce entre ces deux hommes. On comprend qu'il n'y en ait que 5 en boxe thaï. Et le public est ravi. Paul Byfield dans le coin de Tosca Pedritis qui lui demande de continuer ce travail d'approche. Je heb je moment nog niet, hè? Ga niet tegen jezelf knokken nou, hè, Kamer. Want hij heeft genoeg last, hoor. Dat zie je zelf ook maar. Je wil hem nog steeds te snel afmaken, door je. Je wil hem zo hard slaan, af en toe. Denk nog even aan die opzet. Snel, snel, hard. Snel, snel, hard. Rustig, je eigen geloof, kom op. En als je klaar bent, Robbie, weet je wat je doet? Voilà, attention au coup de pied dans les jambes, bien évidemment lui rappelle Paul Flyfield, son entraîneur.
Tosca Peretti qui a pris beaucoup beaucoup de low kick par Kaman. Alors il lui demande maintenant de se concentrer complètement sur la boxe au visage et puis surtout de